au mois d'août, une semaine, une destination, un weekly vlog. Aujourd'hui, troisième épisode des weekly vlogs d'août. Nous allons en Italie. Je suis trop contente. Je vous explique le programme de la semaine parce qu'il est un petit peu... C'est un peu le bazar. Aujourd'hui, on est lundi, je viens de sortir de la douche, je dois faire ma valise. Il y a Jérémy, mon copain, qui est parti de Paris et qui vient jusqu'à Cannes me récupérer en voiture. Et nous allons à Bologne, en Italie. J'ai trop trop hâte, je ne suis jamais allée là-bas, mais ça a l'air trop trop cool. Donc on part de lundi à vendredi. Vendredi, on fait Bologne, Paris, on dort à la maison. Et samedi, on fait Paris, Bruxelles, pour un festival toute la journée. Dimanche, on fait Bruxelles, Paris. Et dimanche soir, on prend l'avion pour la prochaine destination, la dernière destination des weekly vlogs d'août. J'ai trop hâte, c'est la meilleure destination de tout le mois, j'ai tellement hâte. J'arrête, je fais ma valise et on s'en va. Minuit 43, on voit rien. Je me suis endormie 400 fois. On est arrivé. Regardez cette belle porte, c'est tout mignon. Je m'endors. Wow. Wow. Mais c'est incroyable. Wow, elle est immense. Wow, la douche. Elle est... Mais le plafond, il est tellement haut. La chambre, elle est en haut. Regardez comment c'est fait. C'est trop mignon. Wow. C'est trop mignon. Je vais dormir vraiment comme un bébé. On va décharger les valises, se garer. Et aller faire dodo. On se retrouve demain. C'est trop mignon. On est prêt à visiter la ville. Je me fais. Je me suis fait manger par l'ascenseur. J'ai mis un petit haut de chez Poulet Beer, un Chantara, toujours une petite basket. Il faisait tellement chaud et je suis tellement fatiguée que j'ai dormi toute l'après-midi. On est là que 3 jours à Bologne parce qu'après on bouge, vendredi on rentre. Donc il faut qu'on profite là, on s'est réveillé. Je me suis réveillée et on va manger une glace. Je m'alimente de pâtes, de glace et de pizza en temps normal. J'aime l'Italie pour la nourriture et parce que c'est beau et aussi parce que c'est bon. Avec genre un espèce de marbre autour. C'est trop beau. Et toutes les portes sont en bois, elles sont trop belles à chaque fois. C'est super mignon ici, vraiment. Qu'est-ce que je prends? Math, mon spéculoos avec des morceaux dedans. Oh là là. C'est bon? Spéculoos. Oh, c'est genre incroyable. Les meilleurs qu'on ait mangé. Ah mais, je crois. Par contre, faut pas abuser. Ah bah regarde. Elles sont fondues avant même d'aller... Elle vient de nous servir. Bah ouais, mais on est sorti instant, c'est la crème. C'est une galère. C'est une galère, mais qu'est-ce que c'est bon. S'il était pas si tard, j'en reprendrais. Mais là, on va aller manger au resto après, donc c'est pas terrible. Mais on va revenir. Ouais. Regardez-moi ça. C'est leur Nutella en pleine préparation. Je pourrais plonger dedans. C'est vraiment genre là, et vous savez qu'on en a fait des glaces, on a testé les meilleures glaces de Paris, on en a fait. Mais je n'ai jamais mangé des glaces aussi bonnes de ma vie. Je vous mets le nom au premier screen si vous venez à Bologne. Incroyable. Je ne regrette rien. Maintenant, on va au resto. On a envie de manger, en fait ici il y a une spécialité. Tagliatelle al ragout. En fait c'est une espèce de bolognaise, mais c'est pas vraiment de la bolognaise, mais ça a l'air... Mais peut-être que ça vient de là, la bolognaise, pardon. Extrêmement, bah oui, Bologne je pense. Donc on a envie de goûter ça, moi j'ai trop envie de pâtes, vous en doutez, on vous dira ce qu'on en pense.
on retourne aux glaces. C'est grave quand même. En fait, on a trop envie de prendre l'espèce de Nutella là. Comme demain on va à Florence, bah peut-être qu'on aura pas le temps, enfin on préfère prévoir. Bien évidemment, impossible de manger une glace. Mais pourtant, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être remanger la même glace, exactement la même. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, on va à Florence, mais avant ça je suis en train d'essayer des petites tenues. En fait j'ai une petite collab sur Insta avec Pull&Bear, je suis trop contente. Du coup ils m'ont envoyé des petites tenues et là on est en train de filmer des stories. Et on est en train de filmer avec Jérémy en bas dans la petite cour. Donc c'est parti. On mange vite fait avant de partir, trop bon, ça me rappelle la Sicile avec ce pain. Après avoir galéré, on est trop contents, c'est trop beau, je vais vous montrer. En direction des glaces, comme toujours. Avec la robe la plus courte du monde. Dès qu'il y a un coup de vent, je suis pas bien. J'ai pris une glace au matcha, j'avais jamais goûté. J'ai jamais goûté. C'est super bon matcha. Et j'ai pris matcha vanille. C'est bon toi? De goûter. Elle est trop bonne. On a réservé dans un restaurant qui a l'air très bon. Pour 19h30, j'ai déjà hâte de manger. Que j'avais des petits trucs à faire pour Pull&Bear. Du coup j'avais des stories, donc ça on a tout filmé. Et j'avais aussi une photo à faire. Franchement on arrive toujours, les photos on les fait comme ça. Genre on trouve un spot, on fait des photos et c'est trop bien. Je vous jure que pendant une heure on a tourné. On est quand même à Florence. Tu racontes 2 heures. 2 heures, on est à Florence. Genre même chez moi j'ai des spots, là aucun. Déjà il y a beaucoup trop de monde. On a réussi à trouver aucun spot, j'ai fait des photos quand même. On a réussi à la fin à trouver un petit truc. Mais pas ouf quoi. Des pâtes à la truffe, genre des espèces de carbonara à la truffe. Genre mes deux pâtes préférées réunies en une pâte, en un plat. Plutôt. Ouais, y a beaucoup de crème, hein. Ça nage dans la crème. Est-ce que ça va être des pâtes à la truffe écœurantes avec beaucoup trop de truffes? Ou est-ce que ça va être bon? Incroyable, franchement incroyable. En revanche, le dessert. Prenez pas la crème brûlée. Prenez pas la crème brûlée parce que franchement, elle est énorme. C'est le seau brûlé, frère. C'est n'importe quoi. La marmite brûlée. Mais franchement, c'était trop bon. On va rentrer, on a 1h30 de route. Demain, on va à la plage, on va bronzer. On se repose parce que vendredi, on fait Bologne-Paris. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. On se retrouve demain pour la plage. Dernier jour en Italie, nous allons manger la même chose qu'hier midi. Mozzarella, pain, jambon, tomate. Pas de tomate. Pas de tomate. T'en veux? Non. Avec le meilleur pain du monde. Aujourd'hui, on va bronzer. Ce vlog, c'est que de la bouffe encore. C'est mon assiette de rêve. Pain, mozzarella, jambon. Je ne veux rien d'autre. J'ai mis mon nouveau maillot Calzedonia avec petite chemise, petit short. C'est de crème solaire, mes préférées pour le visage et pour le corps. Enfin non, je dis mes préférées, mais soleil noir en fait, je l'ai acheté parce qu'il y avait que ça à un moment à la plage. Voilà, let's go.
C'est super bizarrement fait, enfin c'est pas du tout fait comme en France. On a un gros problème, on est vraiment idiots. En fait on n'a pas de serviette, enfin on n'avait pas de serviette. Et du coup on s'est dit bon bah on en prendra une vu que c'est des plages privées. Et en fait il n'y a pas de serviette, on peut pas acheter, on peut rien faire. Donc là on est à la plage sans serviette, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire au juste? Je comprends pas. Je sais pas quoi dire. Sans serviette. À part moi qui mange des Pringles à la plage, je suis addict, je n'y peux rien. Wow, mais il y en a trois. Est-ce que ce serait pas un deuxième paquet de Pringles? Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'on a avec les chips aujourd'hui? Moi j'aime que les chips ultra salés. Je mange les chips parce que j'aime le sel. On a bronzé, mais on dirait pas. Mais c'est très bien. Vous savez combien on a payé? Déjà l'appartement c'était pas très cher. Ouais, 570 euros pour ouais. 4 nuits. C'était pas 4-5? Non. Les restaurants et tout, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Genre les pâtes, c'est 9 euros, 10 euros. Faire attention, si vous faites vos calculs, quand vous prenez à manger, il y a des frais de service et parfois, c'est du bon. Faut regarder les avis sur internet avant. Ouais, quoi d'autre? Bah là, les plages, c'était 5 euros de transat par personne. Et en sachant qu'on est venu tard, mais si tu viens toute la journée, voilà, pensez à prendre vos serviettes. Si, si, un truc auquel vous devez faire attention, c'est que dans Bologne, quand vous prenez un hôtel ou un n'importe quoi, il faut que l'hôtel enregistre votre plaque pour que vous puissiez circuler dans la ville, parce que si vous enregistrez pas votre plaque, vous pouvez pas circuler dans la ville avec votre voiture et vous prenez une amende. 100 à 200 euros d'amende, c'est énorme. Surtout pour des touristes et tout, enfin c'est horrible. On va rentrer, se doucher. Bref, salut! Ça y est, on est rentré de la plage, je suis trop contente, c'était grave cool. Et avant de partir au restaurant, je tiens à remercier Dépuce Worker pour sponsoriser cette vidéo. Vous savez que c'est mes compléments alimentaires préférés, enfin qui font partie de mon quotidien depuis des mois et des mois, vous savez, parce que je vous en parle tout le temps. Je suis là pour vous parler de mes fins de cure, parce que quand même je tiens à dire que je me suis trimballée tous les emballages vides pour vous les montrer dans cette vidéo. Bon, ça fait des mois que je les utilise, vous savez que j'utilise ma cure Day Plus, donc c'est des petits sticks à boire à base de collagène, de spiruline. Ça existe en cure d'un mois, 3 mois et 6 mois si je me trompe pas, et puis où il y a un abonnement, enfin franchement c'est trop bien, aller voir sur le site, je vous mets le lien en barre d'infos de toute manière. C'est pour vos cheveux, vos ongles et votre peau. Moi j'ai vu une énorme différence sur ma peau et mes ongles sont beaucoup plus durs. Vous me demandez tout le temps si c'est mes vrais ongles, bon comme par hasard j'en ai un cassé, et oui c'est mes vrais ongles, et je vous jure que c'est grâce à des puces, parce qu'avant ils étaient pas aussi forts et aussi durs. Et ce qui est trop bien c'est que là c'est ultra dosé et correctement, et voilà. Bon, j'aime trop cette cure, je peux en parler pendant des heures, vous savez qu'elle m'a trop trop aidée. J'ai Magic Me, alors ça c'est une cure anti-stress que vous pouvez prendre, c'est 2 à 3 gélules, mais je prenais 3 gélules, et vous prenez n'importe quand dans la journée, ça va ni vous exciter ni vous endormir, donc vous pouvez prendre n'importe quand et ça aide à se détendre pour le stress et ça fonctionne vraiment trop bien, ça me relaxe, voilà. Et j'ai le Aloha, ça me fait penser à Alaya, si vous la suivez, voilà, à chaque fois son nom, ça me fait penser à ça. Ça c'est le Repair, il y a aussi le Prepare pour préparer la peau au soleil. Par contre je peux pas le prendre parce que je fais une épilation laser, et quand on fait une épilation laser on peut pas prendre ça. Mais moi j'ai testé le Repair, donc ça permet vraiment d'hydrater la peau en profondeur. Vous pouvez d'ailleurs tout prendre en même temps, hein, il n'y a aucun risque, c'est des produits qui sont naturels et qui sont dosés correctement et qui sont faits pour être pris ensemble. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a le lien du site et vous avez moins 15% sur absolument tout le site avec le code Andy15. Et franchement foncez, vous allez pas être déçus. Let's go à la douche et let's go au restaurant. Jérémy a pas trouvé de restaurant carbonara. Je suis déçue. On s'est absolument pas douché. J'ai pris, je sais même pas quoi, des espèces de pâtes avec de la crème de parmesan, d'un espèce de jambon. Et c'est trop mignon l'endroit, mais il y a vraiment énormément de monde. Genre c'est super gênant de vous montrer. Mais je vais le faire quand même. On voit rien, super. Super youtubeuse. J'ai pris un Moscow Mule, c'est super bon. Oh là là, regardez-moi ça, je vais mourir, c'est énorme. Toi, ça a l'air trop bon. C'est à la viande, fourré à la viande. Ouais. Ah là 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 là, les problèmes. Je m'en mettrai jamais. J'ai une question à vous poser qui est pertinente. Est-ce que quand vous mangez des glaces, vous toussez? Parce que moi je tousse. Jérémy vous demande si vous aussi vous éternuez quand il y a un changement de lumière. 10% de la population. Mais moi c'est, j'ai rien vu sur les gens qui toussent avec le froid.
c'est le départ. Il est quelle heure? 6h du matin. On doit vite sortir de la zone avant de se prendre la main. Il est 19h, on est crevé. Et encore, moi j'ai pas conduit. Là, Jérémy, il est en train de changer ses draps. Et je vais aller chez moi faire des machines, puisque on repart quand même demain. Donc ça va aller très très vite. Le grand retour à la maison. J'ai pris une petite salade, comme d'hab. Vu qu'on part demain matin et qu'après on enchaîne avec Santorin pour 8 jours, je me suis dit que j'allais pas faire de courses parce que ça sert à rien. Et je vais regarder Grey's Anatomy. Ça fait des semaines entières que je n'ai pas regardé. Je viens tout juste de sortir de la douche, j'ai enfilé un petit pull parce qu'il fait très froid à Paris, figurez-vous. Ouf, on est étonnés encore. Je voulais vous montrer juste ma petite skincare routine avant de vous laisser. Moi je mets l'huile au rétinol de chez Sunday Riley, vous savez j'aime trop ces huiles. Et franchement malgré le prix, je les rachèterai quand elles seront terminées parce qu'en plus ça fait super longtemps que je les ai, ça fait vraiment plusieurs mois. Et je les utilise matin et soir, il y en a même une qui a fui dans ma valise, il m'en reste encore. Alors, Gua Sha, pendant que je vous parle. Du coup, je voulais trop filmer demain à Bruxelles, mais au final, déjà, il va rien se passer de spécial. Mais je voulais vous faire un petit débrief de la semaine en Italie. Franchement, c'était trop trop cool. On s'est bien reposé, on a bien mangé, c'était trop sympa. Bologne, enfin, moi je recommande, si vous aimez pas trop les villes trop touristiques et que vous aimez quand même l'Italie. Dimanche, de toute manière, je reprends ma caméra pour Santorin. J'ai tellement hâte, je vous promets, je n'ai jamais fait un voyage comme ça de ma vie. J'ai réservé vraiment un hôtel où je pense que ça va être très sympathique. Dimanche prochain, c'est le dernier weekly vlog. J'ai vraiment hâte qu'il sorte et j'ai hâte de tout découvrir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pas le louper. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si jamais ce n'est pas déjà fait. Je vais vous poster évidemment encore une fois un petit guide et puis je suis active un petit peu tous les jours. N'hésitez pas à les voir. Je vais aller faire dodo pour être en forme pour ce week-end. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.